With the song, feed the love, feed the fire, we defy, we defy, say I am, we defy. Est-ce que, puisque vous allez quitter Ament, là, incessamment sous peu, est-ce que vous avez des choses à voir ou à faire avant de quitter Ament? Est-ce qu'il y a moyen de contacter l'Épervine, justement, pour pouvoir savoir si on peut le croiser sur le chemin ou quoi, pour pouvoir lui poser des questions quant à Clefall? Par chance pour vous, vous n'avez pas de calendrier précis pour intervenir, en fait. Car vous n'êtes pas attendu à une certaine date. Ou... C'est vrai. Le problème, c'est que l'Épervine n'est pas au village, l'Épervine est en patrouille. Vous êtes capable de le contacter, donc c'est à vous de choisir. Est-ce que vous attendez qu'il revienne au village pour lui parler, ou est-ce que vous estimez que c'est une perte de temps? C'est vous qui choisissez. Il n'y a pas moyen de savoir vers où il serait pour se rapprocher de lui, éventuellement sur le trajet. Le problème, c'est qu'il y a plus, il y a quasiment aucune chance que vous tombiez sur lui. Il est quelque part planqué en patrouille, à moins de vous balader dans la forêt en criant son nom, ce qui n'est pas très intelligent. On va surtout passer pour des tarés. Franchement, il y a peu de chances que vous tombiez accidentellement sur l'Épervine. Vous avez une zone géographique où il se trouve, mais le gars, il est discret. C'est un peu hasardeux. Vous voyez, c'est plus rapide. C'est plus rapide de le faire revenir au village et de vous voir, quoi. C'est l'affaire une journée et demie, en gros. D'accord. Je pense que ça vaut le coup. Non, c'est une journée et demie, ça va. Moi, je pense que c'est... Voilà, comme ça, pendant ce temps-là, je ferai des réserves de plantes pour la ville. Parce qu'on va longtemps partir et ils n'ont plus d'herboristes, les pauvres. Vous faites donc ça? T'en penses quoi, Royce? D'attendre l'Épervine. Oui. Ok. Donc, c'est sans problème que, à peu près, une journée plus tard, le lendemain, en soirée... Il revient au village. Je suppose que vous aurez été assez prudent dans le message quand vous l'avez contacté, au cas où il tomberait entre de mauvaises mains. Ça veut dire que quand il revient au village, il ne sait pas trop ce que vous lui voulez, si ce n'est que vous avez besoin de lui parler assez urgemment. Oui. Alors, pas dans l'auberge, puisqu'il y a des gens dont vous vous méfiez dans l'auberge, mais chez le père Croze, je suppose. Ouais, c'est très bien le père Croze. Vous allez. On a un écureuil d'élite. Ou ta maison, c'est vrai. Vous avez un écureuil d'élite qui repère les gens invisibles. Ouais. Si jamais il y a un truc qui va pas. Et puis il n'y a pas de villageois qui risque de passer par hasard. L'Épervine va se pointer. Avec sa mine inquiète, parce qu'il se doute bien que vous ne le faites pas revenir juste pour avoir de ses nouvelles. Donc il s'attend un peu à apprendre quelque chose d'assez terrible. Donc il vous salue. Il donne de l'accolade à certains, puis va s'asseoir à la table d'Altea, tapotant un petit peu nerveusement la table, et vous demande alors qu'est-ce qui se passe? On t'a demandé de revenir, et bien désolé pour le trajet, mais parce qu'on avait plusieurs choses à te dire. D'abord, te faire un résumé un petit peu de ce qui nous est arrivé dernièrement. Et il s'est passé des choses au village qui seraient intéressantes que tu connaisses. Et aussi parce que nous allons partir pour la capitale. Et nous avons besoin d'un maximum d'infos avant d'y aller. Oh, vous partez à la capitale? Et là, on pourrait lui faire un résumé de ce qui s'est passé ces derniers jours au village. Déjà. Mais Vous voulez que je reste au village? Non. C'était surtout pour te tenir au courant et on pouvait pas vraiment faire ça par message. Et aussi pour que tu nous donnes un maximum d'infos sur ce à quoi on peut s'attendre à la capitale, parce qu'on n'y est jamais allé, on n'y connaît rien. La ville, et on comment est-ce que tu as contact si tu en es? Voilà. Ça fait longtemps que j'y suis pas allé. Hein. Les infos que je vais vous dire.
elle date il y a quelques années quand même. Mais enfin bon, je me doute bien que tout n'a pas changé. C'est une assez grande ville. On peut s'y perdre facilement, c'est même un peu effrayant au début. Elle est entourée d'une muraille. Il y a quatre sorties aux quatre points cardinaux. Trois sont des portes. Porte nord, porte ouest et porte est. Et la dernière, c'est un canal. Donc on la quitte par bateau, en fait. Ou on y entre par bateau. Il y a des quais. Le canal va à peu près jusqu'au milieu de la cité et s'arrête à l'endroit où il y a le château. Le château est au milieu du canal. Donc on peut rentrer dans le château que à travers un pont. Ce qui rend toute tentative d'accès un petit peu compliquée, je vous le cache pas. Le sud de la ville, ça craint. Tous les quartiers qui sont au sud de la ville sont les quartiers les plus pauvres et les plus mal famés. Et les quartiers au nord sont de plus en plus tranquilles, on va dire. Il y a beaucoup d'auberges. Enfin, du temps où moi j'y étais, il y en avait plus d'une dizaine. Je sais pas quoi vous dire de plus là-dessus. Ça, par contre, ça a dû évoluer avec le temps. Je vais pas vous en conseiller une plus qu'une autre. Hein. Si ça se trouve, elles ont fermé, elles ont changé de propriétaire, donc... Ça aurait aucun sens. Il y a une garnison, une importante garnison. Il y a plus de 1000 hommes à l'intérieur. Il y a une centaine d'hommes qui gardent le château. Et ce sont pas des gens de la garnison. Ça veut dire que ceux qui gardent le château, ils sortent pas du château. Ils restent dans le château, ils vivent dans le château. C'est une espèce de troupe à part, quoi, en quelque sorte. Une troupe d'élite. Donc ils se mélangent pas avec les gardes de la cité. Je sais pas, vous avez des questions ? Parce que je vous avoue. Oui, est-ce qu'il y a des personnes que tu qualifierais de confiance là-bas ? Des gens avec qui tu as encore des contacts ou pas ? Alors, des contacts, non, clairement pas. Des gens de confiance ? Waouh, ça, c'est une sacrée question. Honnêtement, je vous dirais non. Il y a beaucoup de, d'institutions, il y a beaucoup de structures, il y a des guildes marchandes, mais chacun travaille à sa paroisse, quoi. Chacun travaille pour sa propre réussite personnelle. Ils ont des intérêts qui parfois se rencontrent, parfois ils cèdent, parfois ils se tapent dessus. Vous pouvez partir du principe que à peu près toutes les guildes marchandes se tirent la bourre. Enfin, ça, c'est à peu près évident. Il y a plusieurs temples. Ça m'étonnerait que ça ait changé. Les temples, c'est pas qu'ils collaborent entre eux, mais c'est chacun travaille à son propre domaine d'influence, en fait, et ils se mêlent pas trop des affaires, les affaires des uns des autres, en fait. Il y a un temple de Hof, par exemple, personne vient l'embêter dans son domaine d'influence et il va pas embêter les autres temples dans leur domaine d'influence. Étonnant. Ouais, c'est un peu ça. Tous les temples sont dans le même endroit. Il y a un quartier des temples. Voilà, il y a un quartier des temples où tous les temples sont invités à rester en quelque sorte. C'est très structuré en fait. Hein. Les gens s'installent pas vraiment où ils veulent, ils font pas vraiment ce qu'ils veulent. Par exemple, les auberges, vous n'ouvrez pas une auberge où vous voulez. Vous demandez l'autorisation d'ouvrir et on vous dit à quel endroit vous ouvrez, en gros. La ville est divisée en deux structures, deux types de structures en fait. Vous avez des quartiers et vous avez des districts. En résumé, dans les quartiers on bosse, dans les districts on va dormir la nuit. C'est-à-dire que très souvent, quand vient la nuit, les quartiers, ce que eux appellent les quartiers, en fait, se vident. Et les gens migrent pour rentrer chez eux, et leur demeure, c'est plutôt dans les districts. Et en plein jour, les districts, c'est très calme. En gros, il n'y a que des enfants en bas âge, ce genre de truc-là. Et tous les gens qui bossent sont partis bosser ailleurs.
C'est un peu ça l'idée. C'est, en fait, c'est pas que je veux pas vous répondre, mais c'est un sujet qui est tellement vaste. C'est une ville où il y a tellement de tout. On se demandait par rapport aux besoins éventuels en personnel qu'aurait le château. Comment ça se passe, je veux dire, est-ce qu'ils ont des domestiques et que ça bouge jamais? Est-ce qu'ils emploient du monde qui vient de l'extérieur? Et est-ce que les domestiques sont logés à l'extérieur du château ou à l'intérieur? Alors, les domestiques logent dehors. Il y a un quartier qui est réservé aux gens qui ont des emplois, on va dire, je sais pas comment dire ça, on va dire qu'ils gagnent suffisamment bien leur vie, mais pas non plus de manière folichonne. Les petites gens, voilà, ils ont un surnom là-bas, ils appellent ça les petits gris. Les petits gris, c'est les gens qui travaillent pour des gens importants. Il y a quasiment aucun serviteur qui loge au château. Par contre, il y en a qui font du travail de nuit au château. Mais ils en sortent la journée pour rentrer dormir chez eux de jour, quoi. Après, accéder au château, c'est... Si c'est... Enfin, si vous comptez y aller, parce que j'ai l'impression que c'est ce que vous sous-entendez, c'est compliqué. Vous verrez, au niveau de l'architecture, c'est compliqué. Au niveau de l'accès légal, on va dire, faut vraiment avoir quelque chose à y faire. Donc si vous voulez vous y faire embaucher, on va pas embaucher des nouveaux arrivants, par exemple. On va embaucher des gens, s'il y a besoin de personnel, on va embaucher des gens parce qu'il y aura eu un manque. Alors, quelqu'un n'est plus là, parce qu'il est mort, parce qu'il est parti, parce qu'il est trop vieux, parce qu'il fait plus l'affaire. Et ils vont plutôt embaucher quelqu'un qui est là depuis un moment et qu'on peut surveiller, en quelque sorte, que quelqu'un qui vient de débarquer en ville. Ils sont méfiants. Et c'est logique, ils ont toujours été méfiants. Ou alors, faut être redoutablement efficace ou avoir des références incroyables. N'importe qui rentre pas au service du Seigneur. Justement, on avait pensé éventuellement utiliser la couverture de livreur pour livrer des denrées au château, pour pouvoir éventuellement être en contact avec des domestiques là-bas, jeter des coups d'œil. Est-ce que tu penses que travailler pour une boîte qui ferait des livraisons au château serait compliqué ? C'est possible. Il y a du transit de matériel, bien évidemment. Le château a des besoins. Il y aura des occasions. Maintenant, dites-vous bien que le personnel qui bosse là-bas, il est très content de son travail, parce qu'il gagne bien sa vie. C'est un métier honorable que de bosser pour le château. Et il y aura peu de chances que vous tombiez sur quelqu'un qui va vous faire des confidences qui mettraient en danger son poste, en fait. Après, c'est à voir sur place, hein. Il y a peut-être des gens mécontents depuis le temps. Il y a peut-être des points faibles. Mais ça, moi j'y étais il y a 8 ans, quoi. Oui. Ça, vous jugerez sur place. Qu'est-ce que je peux vous dire qui pourrait vous aider? Pour traverser la ville d'un bout à l'autre, à pied, il faut à peu près 2 heures. Pour vous donner un ordre d'idée de la taille. Ouais, d'accord, en effet. Voilà, et le château est au milieu, ça veut dire que le château est à peu près à 1 heure de n'importe quel point de la muraille. Les portes de la ville sont pas fermées, même la nuit. Parce qu'il y a de la circulation quand même. Elles sont gardées, mais elles sont pas fermées. Pareil, le canal, il est ouvert tout le temps. Il y a un moyen de le fermer, mais c'est qu'en cas de guerre qu'on va fermer l'accès. Est-ce qu'il y a des vérifications particulières à l'entrée de la ville? Non. On demande des papiers. Non, il n'y a pas de laisser-passer. Vous allez tomber sur des gardes, mais les gardes regardent les gens passer, et à moins que vous ayez l'air incroyablement louche, vous allez passer devant eux tranquillement. D'accord. Et si vous les voyez
en train de contrôler les gens, c'est pas bon signe. Ça veut dire qu'il y a une mesure un peu exceptionnelle et bizarrement, il se méfie de quelque chose ou de quelqu'un. Ou il recherche un individu. Mais en temps ordinaire, la porte nord, c'est la plus utilisée. C'est la plus utilisée parce qu'au nord de la ville, il y a beaucoup de champs. Il y a des terres très fertiles qui s'appellent Soft Terre. Et les gens qui travaillent là-bas, ils n'ont pas leur propre ferme. Ils reviennent dormir à la ville. Donc ils partent tous les matins bosser et ils rentrent tous les soirs dormir. Donc il y a vraiment beaucoup de circulation. Et puis juste au nord de la capitale, il y a le Cronan. Et il y a beaucoup de commerce entre les deux villes. Donc c'est vraiment le passage. La porte à l'ouest, c'est celle qui mène à Balioun. Donc il y a du passage, un peu moins, mais il y a du passage. Pareil, il y a du commerce. Et la porte qui est à l'est, c'est la moins utilisée. Parce qu'elle mène sur des territoires qui sont un peu inhospitaliers, on va dire. Donc il n'y a pas beaucoup de passage en vrai. Sinon, dans les choses qui me viennent comme ça, là, à brûle-pourpoint, il y a une garnison par quartier et par district. Donc il y a beaucoup de garnisons dans la ville. Chacune surveille son quartier. Il y a un sergent qui dirige chaque garnison. Leur nombre d'hommes est variable. Dans les endroits où ça craint beaucoup, il peut y avoir une centaine d'hommes. Dans les endroits tranquilles, une vingtaine. Il y a une espèce de gros quartier général de la garde, en fait, qui s'appelle la commanderie. C'est là qu'ils forment les recrues, c'est là qu'ils les entraînent, c'est là qu'il y a les casernes. C'est là qu'il y a le type qui dirige tout ça. Hein. J'espère que vous ne rencontrerez pas. Voilà. C'est un peu... J'espère que ça vous semble pas trop léger, mais là, je vous avoue, je vois pas quoi vous dire d'autre. Le régent, il vit uniquement au château. Ouais. Vous le verrez jamais dehors. Ses hommes, peut-être. Lui, il sort pas... Faut bien que vous ayez conscience. Hein. Quand moi, j'ai quitté le château, il était pas là. Hein. Quand moi, je suis allé au château et que j'ai travaillé... que j'étais dans la garde, c'était l'autre seigneur, celui qui est mort, qui était là. Donc, le régent, le nouveau seigneur qui était à la guerre, moi, je les ai pas connus. Ok. Mais oui, de manière générale, il a pas vraiment de raison d'aller se balader en ville. Les gens viennent le voir, plutôt. Et est-ce que tu connaîtrais par hasard quelqu'un qui pourrait nous donner des renseignements plus récents sur Cliff Hall ? Peut-être dans tes hommes ou... Non, alors mes hommes c'est des bourlingueurs hors la loi. D'accord. Notre rayon d'action s'arrête un petit peu au rempart ouest. Hein. D'accord. Non, je pense que vous allez devoir vous faire une idée sur place. Ça coûtait rien d'essayer. Le seul avantage que vous aurez, c'est que c'est tellement grand que c'est très facile de passer inaperçu. C'est un petit peu ce sur quoi on comptait. Les rues sont noires de monde, personne regarde personne. C'est très facile de se cacher, c'est très facile de semer quelqu'un. Si j'étais vous, je passerais... peut-être une semaine ou peut-être même 15 jours à juste regarder pour apprendre comment ça marche en fait. C'est un petit système à part qui a son propre mode de fonctionnement, ses propres rouages. C'est vous qui les découvrirez sur place et c'est vous qui m'apprendrez des trucs hein, au final, pas l'inverse. Quand moi j'y étais, je faisais partie de ce qu'ils appellent les aigles noirs. Les aigles noirs, c'est la troupe qui est dédiée à la surveillance du château. N'espérez pas corrompre un de ces gars-là. C'est,
C'est une troupe d'élite et ils sont vraiment loyaux, loyaux à mort. Et je suis pas sûr que ça ait changé. La façon dont on est recruté, la façon dont on est entraîné, voilà, on est, il n'y a pas de distraction. C'est une position d'importance. Ils sont très bien payés. Et c'est plutôt du genre fidèle. Et de toute façon, dites-vous bien que leur supérieur hiérarchique, c'est le sénéchal. Donc c'est Enguerrand. Vous voyez qui c'est ? Oui. Oui, ok, cool. Donc ça veut dire que ce sont ses hommes à lui, et que c'est lui qui les dirige. Et qu'il a certainement pas dû laisser des brebis galeuses ou des maillons faibles. On s'en doute. Et bah, à part vous dire bonne chance... Bien écoute, merci d'être venu pour nous dire tout ça déjà. Et... Je vous cache pas que ça m'inquiète. Ça nous inquiète, mais aussi. Mais Lucia est là-bas, et si on veut pouvoir lui mettre des bâtons dans les roues, il va falloir y aller nous-mêmes. Je comprends. Je comprends. Faites-vous des amis, ou du moins des alliés. C'est elle doit en avoir. Je dirais même, elle doit en avoir ras la gueule. Il faut que vous trouviez, des gens qui l'apprécient pas, qui apprécient pas les gens qu'elle apprécie. Enfin, vous voyez, ce genre de, les amis de mes amis sont mes amis et vice versa, quoi. C'est trouver des gens qui vont trouver un intérêt à vous aider. C'est un panier de crabes. C'est un panier de crabes. C'est ce qu'on va tâcher. J'ai quartier libre. J'ai quartier libre. Encore merci. Bah, vous aurez pas moyen de me contacter, c'est dommage. Puis je vous serai pas d'une aide fantastique. Sachez, au pire, hein, au pire vraiment, si j'étais à votre place et que je dois me barrer de cette ville. Moi je plonge dans le canal et je nage. Si vous savez nager. Si vous savez nager. Ah, mais quand tu as parlé du canal, c'était la première idée qui m'est venue de toute façon. Ouais, ou vous montez en douce à bord d'un bateau et vous attendez qu'il se barre, hein, oui, par bien exemple. Sûr. Mais ouais, c'est ouais, plus facile de se barrer par ce biais-là que d'essayer de franchir une porte en courant. Parce qu'il n'y a pas vraiment de quoi où se cacher, hein, franchir une porte. C'est une zone super dégagée, il y a des gardes, ils ont des armes de jet. C'est compliqué. Ouais, on court rarement plus vite qu'une flèche. C'est... Oui, oui, oui. À part si c'est William qui les lance. Quelqu'un, on court pas plus vite, c'est juste qu'on va pas dans le même sens. C'est exactement ça, t'as tout compris. Bon, c'est vrai qu'on même a rien si, à craindre de ton alchimie, par contre, Althea. Hein. Même si vous en avez pas besoin, j'essaierai de revenir. J'essaierai de revenir de temps en temps au village pour jeter un œil. Ouais, merci. On compte sur toi. Eh ben, je vais aller dormir. Bonne nuit. Si on se revoit pas demain, bon courage. Faut éviter l'auberge pour l'instant. Ah oui, mais je vais dormir dans un coin, c'est pas grave. Ah, à moins que à la maison si tu veux hein. À moins que il regarde Althea, à moins qu'il y ait une place ici. Ouais, y en avoir. Il doit y avoir une chambre d'amis, non? Non. Il y a un canapé dans le salon. Non. Mais l'épervine te fait un grand sourire qui ne laisse pas d'équivoque sur son sous-entendu hein. Mais la principale intéressée a beaucoup de mal à voir le sous-entendu. La principale intéressée ne réagira jamais avec autant de personnes dans la pièce. Eh ben, il hausse les épaules et il dit, bah, tant pis, je dormirai avec plus d'une étoile, c'est pas grave.
Et il sort. Et... Qui ne tente rien n'a rien. Exact. Je vais me livrer à un exercice très particulier que je n'ai encore jamais fait. Qui va faire comme ça. Waouh. Tu m'entends? Tu m'entends? Viens. Alors ce que je vais te dire va te surprendre, mais... Oui. Vous êtes en train de marcher. William et Althea sont un peu plus loin devant. Ouais. Ça fait un petit moment que vous avez quitté Amen. T'es un peu en arrière. Et alors que bon, le trajet est plutôt tranquillou, c'est-à-dire que t'es pas spécialement sur tes gardes, tu butes sur quelque chose dans le sol qui résonne avec un tintement métallique. Que ce serait pas un casque. Tu baisses les yeux, on dirait un cimier qui a l'air de sortir un petit peu du sol. Essayer de déterrer cette chose. C'est Régus. Ah, yes, j'en étais sûr. Je n'entends personne me parler. Pour l'instant, non. Ah, bah, du coup, je vais mettre le casque sur ma tête. Tu mets le casque. Sa voix résonne claire dans ton esprit. Bonjour, Royce. Bonjour, Régus. Tu vois au loin cet arbre foudroyé? Je suppose que oui. Quoi. Tu regardes, tu mets un petit temps à le repérer sur ta gauche. Alors pas du tout là où vous allez, hein. Vous êtes en train de marcher dans plein est, et donc vers le nord. Tu vois une sorte de, on dirait un petit plateau rocheux, une toute petite falaise hein, qui doit faire 2 mètres de haut en gros quoi. Et il y a un tronc d'arbre qui est un peu en travers. Il a pas de branches. Et c'est vrai qu'il a l'air fracassé, comme s'il avait un peu pris la foudre, quoi. Ok. Ben, oui, je le vois. Est-ce qu'il devrait m'attirer vers là? Balakor a besoin que tu ailles là-bas. Très bien. Je vais y aller, du coup. Tu changes de direction. Tu t'avances vers cette petite falaise, qui n'est pas d'une complexité folle à escalader, hein, franchement. Elle est un peu abrupte, mais bon. Tant bien que mal, en utilisant les pierres qui dépassent ici ou là, tu arrives à monter. Tu peux même utiliser le tronc, d'ailleurs, pour arriver à monter. Okay. Alors, le tronc n'a pas pris la foudre. C'est assez étrange. En fait, les racines sont à nu. T'as l'impression qu'il a été déterré. Tu vois les racines et tout. Tu dirais qu'il a été déterré et sûrement fracassé. Parce que le haut est complètement pété, mais vraiment comme si... Si ça avait été une branche, on dirait que quelqu'un l'a cassé en deux avec ses mains, quoi. Or là, c'est un tronc. Et quand tu arrives en haut, tu vois qu'il y a l'autre partie de l'arbre qui est au sol. Le haut du tronc fracassé, quoi. Et sous le tronc, tu vois une personne. Vivante. C'est un peu loin de toi, mais elle est allongée en dessous. Alors, vivante ou pas, bonne question, mais en tout cas, immobile. D'accord. Je vais essayer de me rapprocher, alors. Tu t'approches, un peu vite, tu hâtes le pas, et tu te réveilles dans ton lit. Ah oui, je me dis... Voilà. Excusez-moi pour cet aparté. Ok. Ah non, pas de problème. Au petit matin... Ce que je me demande quand même, c'est ce qu'ils sont allés se dire dans un coin. Au petit matin, vous vous réveillez. Techniquement, c'est aujourd'hui qu'il faut partir. Donc... Très bien. Ça marche. Donc, le village charge dans le chariot les provisions nécessaires à ce que vous atteigniez Graist. Yes. D'accord. Après, il faudra se débrouiller. Et Vous avez... couverture et tente, de quoi faire un camp, allumer un feu, suffisamment de rations pour manger matin, midi et soir, jusqu'à Grest. Arrivé à Grest, il faudra dépenser des sous pour acheter des provisions pour aller à l'Ukronan. Non, pas les sous. Les sous. Si, les sous, hélas. Non, je le crains, les sous. Mon
précieux. Ma cassette. Moi qui voulais faire un mur en pièces. Est-ce que vous emportez avec vous un objet particulier ou pas? Que vous regretterez après de m'avoir dit je prends pas. Oui. Moi je prends à peu près tout ce que j'ai sur ma fiche de personnage, approximativement. Alors je vais te poser la question avant que tu me dises ah mais si je l'avais pris, mais est-ce que tu prends ton écureuil? Je lui propose de venir, je sais pas s'il me comprend ou pas, parce que c'est vrai que ça va faire longtemps, j'y pensais, à panache. Il te tend une noisette. Tu te laisses libre de ton interprétation. Ok, je lui dis on part demain. D'accord, donc tu prends l'écureuil. Royce, est-ce que tu prends quelque chose avec toi? Je prends mon objet secret. D'accord. Objet secret. Donc ton Playboy que tu caches sous ton lit, c'est ça? Exactement. Exactement, par contre, les trois grimoires qui sont à la base pas à moi, ils restent dans la maison. Je les emmène pas. Ok. Mes sorts sont recopiés dans mon propre grimoire, on est d'accord? Oui. Voilà, oui, donc mon grimoire à moi, oui, les pas à moi, je les laisse cachés sous les lattes du plancher, là où je les range d'habitude. Et je considère que vous partez donc. Non, une petite seconde. Ouais. Voudrais demander à Altea si elle aurait possibilité de contacter le mage de Balioun, dont j'ai oublié le nom. Kerrigan, c'est cela. Pour avoir des nouvelles de ses recherches par rapport à mon objet. Oui, on peut lui envoyer un petit message comme d'habitude. Ok. If you can. La réponse se produit sur le même mode. Et donc un message apparaît sur la table d'Altea. Je veux aussi savoir faire ça. Tu sais le faire, ces transferts. Bah oui, mais il a jamais vu ma table. Mais si, il a demandé une fois s'il pouvait voir par tes yeux. Tu lui as dit oui, tu étais dans ton salon, d'accord. Donc il a vu ton salon, donc le message apparaît sur la table. Tu sais faire ça. On n'était pas chez moi, on était en train de surveiller la bestiole. Non. Non. Vous étiez dans ta maison. Vous étiez dans ta maison. Promis, juré, craché. D'accord, non, mais... Tu pourras voir les anciens épisodes. Tu étais dans ta maison. Pas de soucis. Le message apparaît. Il te dit... Un, que... Contrairement à ce qu'il craignait, ce n'est pas un objet diabolique. C'était un peu sa première idée. C'est bien un objet féerique, ce qui est plutôt positif. C'est bien une arme, elle n'est censée fonctionner qu'une seule fois. Après quoi, alors il n'est pas sûr, soit elle perdra tout pouvoir, soit elle va se briser, mais ça ne marchera qu'une fois. Et il a bien l'impression que c'est une arme qui sert à tuer quelque chose, d'un coup, d'un seul. Il ne sait pas encore quoi, il n'a pas réussi à trouver, mais c'est une arme dont le coup qu'elle portera sera fatale à ceux qu'elle est censée toucher. Donc, d'accord. Il va qualifier ça grossièrement de flèche tueuse. Il reste à trouver tueuse de quel genre de créature. Il y travaille. D'accord. Cordialement, la direction. Bien. C'est sympa, ton destin, c'est de tuer un truc. Ouais. Ça va, ils t'ont pris un truc dans tes cordes. Tueuse de punaise. Je sais pas s'il y avait besoin d'une flèche magique pour ça, mais... Vous partez donc? Oui. Sans vous retourner. Ouais. Est-ce qu'on se changerait pas tous nos prénoms et qu'on s'habituerait pas pendant le voyage à s'appeler autrement? Oui, tout à fait. Altea ne dit pas ça parce qu'elle a l'habitude de changer de prénom, hein, bien entendu. Je m'appelle John. Toute votre province, super l'accent, est très anglo-saxonne. Je m'appelle John. John, ok. Jonathan, alors. C'est John.
Et en plus, il l'écrit J-O-N pour qu'il n'y ait pas trop de lettres. J-A-U-N-E. Jaune. Ça fait pas très anglo-saxon, ça. Qui a dit que l'étrisme était inutile? Ok. Et vous deux, vous serez qui? Moi, je serai Rob, puisqu'il y a John. Ok. Je vais pas trop les changer, je vais m'appeler Anna. Okay. Ça commence par A, ça finit par A, ils ont plus l'habitude comme ça. Je vous conseille de le noter, parce que vous allez devoir vous en souvenir, les enfants. C'est clairement. Alors, on a dit Rob, Anna et John. Johnny Javelot. Quelle est votre destination? Christ. Ah ouais, mais je crois qu'il y a un monsieur qui voulait passer par la forêt magique. Ah oui. Christ avec un crochet par la forêt magique. Oui, j'ai carrément besoin d'aller faire un tour à Grandbois, oui. D'accord. Donc, 2 jours plus tard, il est pas trop voilà perturbé, à Grandbois. Panache. Non, ça a pas l'air. Sans doute ton odeur est là pour le calmer. 2 jours plus tard, vous êtes à l'orée de Grandbois. Vous avez arrêté le chariot. Il est à bientôt midi, on va dire. La forêt est devant vous, elle est plutôt silencieuse. Je vais y entrer. Oui. Je vais tâcher, comme je ne sais absolument pas comment contacter Mel, je vais commencer par y penser à elle et me la visualiser et l'appeler. Il faut à peu près une demi-heure avant que, franchissant les fourrés, un tout petit narn se pointe devant toi. Ok. Et te fasse un petit signe de la main et commence à courir dans les buissons. Eh bien, je le suis. Il te conduit... alors, ma foi, tu sais pas trop par où t'es passé. Voilà, t'as dû un peu accélérer l'allure. Tu sais pas s'il a essayé de te semer ou quoi ou qu'est-ce. Mais au final, tu arrives devant une espèce de cabane qui est dans un tronc creusé. Un vieux tronc d'arbre qui est mort depuis longtemps. Hein. Mais on a inséré une porte dans ce tronc. C'est assez joli, du reste. Et le narn, lui, il ouvre la porte et il rentre dans la petite cabane. D'accord. La porte est toujours ouverte? Ouais. Ouais, ben, je le suis. Tu rentres dedans pour tomber, bien évidemment, devant la charmante, charismatique et ravissante Mel. Je propose de rester pour la nuit. Qui est en train Bonjour. De touiller un chaudron, hein, pour être cliché jusqu'au bout. Mmh. Ceci dit, l'odeur qui se répand dans la cabane est assez agréable. Il y a des créatures mortes dans des fioles un petit peu partout sur les étagères, des herbes aux odeurs différentes, certaines très bonnes, d'autres absolument dégueulasses. Un capharnaüm sans nom. Tu sais pas ce qu'elle a fait, mais ça doit être de l'alchimie vu l'odeur. Elle te lance un petit œil malicieux, tout en continuant à tourner son chaudron. Le narn s'est assis sur une chaise. Il a les pieds qui pendent dans le vide, il la regarde. Bonjour, Mel. Bonjour, William. Ça fait longtemps. En effet. Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Je suis en route vers la capitale, avec mes compagnons que tu as déjà croisés. Elle arrête de touiller. Et te regarde avec un vif intérêt. Nous avons appris différentes choses à propos des méfaits d'une certaine Lucia. Je ne sais pas si tu en as entendu parler, si tu la connais. Qui sévit à la capitale et qui aurait un vif intérêt dans l'usage du sang maudit. Mais
Je venais surtout te voir après avoir appris de la part d'un magicien de Balioun qui s'appelle Karagen que je serais le fils d'une Cid. Oui, c'est un résumé un peu grossier. Tu n'es pas son J'aurais fils été bien intéressé de savoir. Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre, disons. Un outil. J'aurais bien aimé avoir plus d'infos là-dessus. Tu es ce qu'on appelle un échangé. Tu portes en toi quelque chose de féerique qui a été inséré en toi, en quelque sorte. Bien caché. Voilà, et qui... Alors, rassure-toi, ou inquiète-toi, mais ça ne s'enlève pas, hein, une fois que c'est inséré. On ne guérit pas, ce n'est pas une maladie. Oui, tu as du sang féerique, si on pouvait dire ça comme ça, qui coule dans tes veines, effectivement. Mais enfin, on en avait parlé. Ta forme physique, ta capacité à récupérer des blessures facilement, ton adresse, tout ça. Le William que tu étais quand tu es né était loin d'avoir tout ça. Mais est-ce que tu pourrais me dire quel est le but de tout ça? Je ne le sais pas moi-même. Je ne le sais pas moi-même. Ce qui est intéressant, c'est que tu vas partir. Oui. Ça, c'est très, très important. Parce que ça met fin à ma mission. Et là, elle a un grand sourire. Ah. Oui. Je devais surveiller ton enfance dans ce petit village, protégé à l'abri, faire en sorte que tu atteignes l'âge adulte. Et fatalement, à un moment, tu allais partir faire ce pourquoi tu es ici. Donc, je suppose que tu vas aller faire ce pourquoi tu es ici, donc je n'ai plus besoin de te surveiller. Mais elle va pouvoir faire ses bagages. Et pour retourner où ? Je te surveille depuis 20 ans, mon petit. J'ai que l'embarras du choix. Il va juste falloir que je trouve quelque chose à faire. C'est qu'on s'habitue un peu à rester là et à veiller sur toi. Ceci étant, je ne vais pas t'abandonner comme ça, ne t'inquiète pas. J'ai un petit cadeau pour toi. Oui. Enfin, un petit cadeau. Tu verras par toi-même si c'est un cadeau ou pas. Elle va dans un coin de sa cabane et elle enlève une sorte de morceau de cuir qui pendouille au mur, un peu crade, et découvre derrière un miroir, mais un très beau miroir. Il est bien propre. D'ailleurs, il dénote un peu avec la cabane dégueulasse, mais il est bien propre et il est entouré d'un cadre très arabesque, très sinueux, très travaillé, doré. Vraiment du très joli. Ça cadre pas du tout avec la déco, mais vraiment très beau. Et elle te fait signe de t'approcher. Ce que je fais. Elle te place devant le miroir pour que tu te vois dedans. Elle va chercher une bougie qu'elle allume et qu'elle place entre toi et le miroir. Et elle te tend un couteau. Et elle te dit « Maintenant, tu vas mettre 3 gouttes de ton sang dans la flamme. Et une fois que tu l'auras fait, tu vas prononcer le nom de Hershey. » Hershey. C'est bien cela. Oui. Ok. Je me coupe un bout de doigt, je mets 3 gouttes,
Et je dis trois gouttes qui grésillent dans la flamme. Une odeur pas très agréable. Et tu prononces ce nom étrange. Presque instantanément, la surface du miroir se trouble un peu. Tu as l'impression que c'est comme si ton visage se dédoublait. C'est très étrange, comme si le miroir était mal fait, quelque sorte. Mais tu finis très vite par capter que, en fait, c'est pas toi qui te dédouble, mais c'est quelque chose qui apparaît dans le miroir à la place de ton visage. Et il ne faut que quelques secondes pour que tu disparaisses du miroir. Et que, à la place de ton reflet, il y ait une tête que tu ne connais pas. Mais qui, ma foi, est pas dégueulasse. Je l'ai jamais vu, ce visage-là. Eh ben, je te laisse juger. Tu devrais le voir apparaître. Si j'ai bien fait mon travail. Je ne vois pas de visage. Si, ça y est, j'ai. Voilà. C'est une femme. Alors, les contours sont assez indistincts. L'image n'est pas très nette, en quelque sorte. C'est une très belle femme. Tu vois pas bien le décor autour. Tu vois un peu que sa silhouette, en fait. Qui regarde fixement tes yeux. Vos yeux sont plongés les uns dans les autres. Elle ne dit rien. D'accord. Serais-tu la Cid à qui je dois mon destin ? La voix qui te répond sort du miroir, réellement. Ce qui est assez curieux. Du coup, elle semble un peu déformée, un peu comme si on était sur Discord et que ça marchait pas très bien. La voix féminine te dit non. Je suis sa fille. Tu as l'air d'aller bien. En effet, je suis en pleine forme. Je ne sais pas si je le dois à la chance ou au bon soin de cette Cid, de ta mère. Certainement les deux. Et oublie ma mère et remercie plutôt celle qui a veillé sur toi. Ouais, si tu me vois, mauvais joueur. Si tu me vois, merci Mel. C'est que tu t'en vas. Oui. Bien. C'est une bonne chose. Ce village est trop petit pour toi. Comment se fait-il que ce soit avec toi que je sois en contact plutôt qu'avec ta mère ? Ma mère est occupée. Très occupée. Je suis chargé de toi, en quelque sorte. Considère-toi comme une sorte de demi-frère, si tu veux. Et que puis-je espérer comme aide de ta part ? Oh, bien peu. Je ne suis pas vraiment avec toi dans ce monde, je suis ailleurs. Je ne connais pas ton monde. Je l'ai quitté il y a très longtemps. Ma mère est une personne très particulière et elle possède des dons très particuliers qui en font une personne d'importance. Beaucoup de gens de notre famille possèdent des capacités de prédire l'avenir. Ça n'est pas aussi net que cela semble, mais certains d'entre nous font des rêves qui sont souvent prophétiques. Et nous avons du mal à savoir si ces rêves sont près de survenir ou s'ils se produiront dans des années. Enfin, le temps est une notion qui nous est compliquée d'appréhender. Mais ma mère sait
est persuadé qu'il va se passer quelque chose là où vous vous trouvez. Et quelque chose de suffisamment grave pour l'avoir convaincu qu'il fallait intervenir. Ou du moins qu'il nous fallait un agent sur place. Cet agent, c'est toi. D'accord. Nous n'intervenons pas pour rien. Vos conflits de mortels ne nous intéressent pas. Nous intervenons pour des choses graves et qui bouleversent l'équilibre. Je pense que tu les verras quand tu les croiseras. C'est un peu tout ce que j'ai à te dire. Mais vous ne savez pas ce que c'est pour l'instant. Ma mère le sait très certainement. Et c'est quelque chose qu'elle a l'air de redouter. Et compte tenu de qui est ma mère, je n'ose imaginer ce qu'elle redoute. Elle ne m'en a pas parlé, si telle est ta question. Et je pense qu'elle... Elle m'en parlera quand elle aura besoin que tu le saches. Tu as trouvé l'arme ? Oui. J'ai cru comprendre que son but était d'abattre quelque chose. Bien, tu t'es bien débrouillé. Oui, effectivement. Elle a été fabriquée par quelqu'un que tu peux considérer, si tu veux, comme ton père. D'accord. Quant à savoir ce qu'elle va tuer, dis-toi simplement que ça n'est certainement pas un humain. Ouais, et que dès que je le saurai, je t'en parlerai. Pour l'instant, vis ta vie. Fais comme si nous n'étions pas là. Éventuellement, si jamais tu remarques des choses qui pourraient nous aider, contacte-moi. Maintenant que tu sais comment faire. Bah, je sais si peu de choses, comment je saurai ce qui peut vous aider ou pas. Nous les féeriques, nous nous occupons de choses éminemment magiques, anciennes et dangereuses. Si jamais tu croises une chose magique, ancienne et dangereuse, dis-toi que ça pourrait nous intéresser. Et du sang maudit, c'est assez ancien, dangereux. C'est ancien. Le mal sombre est ancien, le mal sombre est dangereux, mais ça n'est pas de notre ressort. Les féeriques ne s'occupent pas de ça. Ouais, nous nous occupons plutôt de créatures. Je n'en ai pas plus pour toi. Tu pourras dire à ta nourrice qu'elle est libérée de son serment et qu'elle fasse ce que bon lui chante. Et que nous la remercions. Très bien. Elle ne nous entend pas, si tu te posais la question. Oh oui, elle ne nous voit pas. Tu es la seule à me voir. D'accord. Et pour tous les autres, tu es en train de parler devant un miroir, tout simplement. Eh bien, je ferai attention de le faire en privé. Je serai toujours devant ce miroir. Ça peut te sembler étrange, mais... Je suis actuellement dans un endroit où le temps passe très vite. Si tu me recontactes dans quelques mois, il ne se sera peut-être écoulé que quelques secondes pour moi. Très bien. Et si jamais tu as besoin de me contacter, comment je le saurai ? Tu le sauras. Très bien. Crois-moi sur parole, tu le sauras. Ravi de te rencontrer, puisque je ne t'avais jamais vu. J'espère eh bien, que... ça peut paraître bizarre, mais pour moi aussi, c'est un soulagement de pouvoir mettre des visages et des noms sur une partie de moi. Nous n'apprécions pas
n'apprécions pas beaucoup les échangés en général. C'est un peu un mariage contre nature entre votre race et la nôtre. C'est malheureusement nécessaire parce que nous n'avons pas accès à votre monde et pourtant il faut que nous intervenions. C'est pour ça que vous êtes des créatures assez rares. Tu n'as pas beaucoup de pères. Tu n'as pas beaucoup d'équivalents. Il y a peu d'échangés. Et pour être honnête avec toi, il y en a peu qui restent en vie aussi. Mais tu pourras en parler avec Mel. Elle en sait quelque chose. Ah. Je suppose qu'elle a été nourrice de plus d'un. Pas que. Mais elle nous a demandé un grand service que nous lui avons accordé. Et en échange, nous lui avons demandé quelques instants de sa vie. Dont elle vient à l'instant de s'acquitter. Si je peux te donner un conseil, reste en bon terme avec elle. C'est une personne débrouillarde et efficace. Et si tu veux tout savoir, elle doit approcher des 400 ans. Elle les porte bien. Oui, les... Du temps où nous étions sur votre monde et qu'il était nôtre, certains d'entre nous se sont reproduits avec les vôtres. Et quand nous avons été sommés de quitter le monde, ceux qui étaient nés de cette union ont pu choisir de partir ou de rester, et certains ont choisi de rester. Et ils ont eu des enfants, qui ont eu des enfants, et certains d'entre vous ont du sang féerique en eux. Et ils vieillissent beaucoup plus lentement. Et en général, nous les contactons pour qu'ils travaillent pour nous. Comme elle. Je vois. Quoi que tu fasses, je te souhaite bon courage et reste en vie. C'est important. Tu peux compter sur moi pour ça. Je ferai tout ce qui sera possible pour cela. 20 ans pour avoir un échangé, nous ne voudrions pas le perdre. C'est toi qui coupes la communication, pas moi. Tu souffles la bougie quand tu veux. Très bien. En tout cas, et je le dis pas souvent, merci. Merci pour les réponses. Je pensais que tu nous dirais merci pour cette seconde vie. C'est ce que font les échangés en général. Considérant qu'ils seraient morts sans nous. Ouais. Je dois encore digérer tout ça. Mais j'apprécie ma chance. Sache-le. Oui, oui, tu as un potentiel au-dessus des humains normaux. C'est à la fois intéressant, mais à la fois compliqué à vivre. Je peux parfaitement le comprendre. Les gens de mon espèce trouvent les gens de votre espèce, les humains, comme particulièrement lents, gauches, maladroits. C'est compliqué à supporter. Ça peut arriver aussi. Ça m'arrive. J'avais beaucoup de cette colère et de cette compréhension qui m'encombre encore aujourd'hui. Si Mais ça peut... ces réponses m'aideront, justement. Si ça peut t'aider, sache que ce qui est en toi ne se transmet pas. Tes enfants seront humains. N'aie pas peur de leur léguer un destin trop lourd à porter. Il n'y aura pas de traces de ce que tu es en eux, si ce n'est ta partie mortelle. Je suis encore très loin de ces considérations. J'ai déjà ma propre vie à mener.
Ça viendra, l'instinct de reproduction est fort chez votre race. Elle peut aussi être accidentelle de toute façon. En effet. Merci Archer. Je te laisse. William. Et je souffle la bougie. Tu souffles la bougie. Quand tu te retournes, ça n'est plus Mel qui est devant toi. Ou du moins, ça n'est plus la Mel que tu connaissais. C'est toujours une vieille dame. C'est toujours une vieille dame, mais oui, elle est autrement moins cliché, on va dire. Mm. C'est une dame assez sympathique à regarder, du reste. Seuls les yeux n'ont pas changé. Tu as eu les réponses que tu souhaitais ? C'est bon ? J'ai eu des réponses, et ça fait du bien. Et ils ne t'ont rien dit me concernant ? Si, deux choses. La première, que tu savais, tu es libre. Et la deuxième, merci pour ton service. Elle pousse un soupir de soulagement qui n'est pas fin. 20 ans. Il va falloir que je m'assoie. Et elle s'assoit. Ce fut si dur que ça ? Nous autres vivons longtemps, mais 20 ans c'est long, je t'avoue. 20 ans c'est long, j'ai un peu perdu prise avec le monde. Je ne sais pas bien où aller, ni même quoi faire. Il va falloir que j'y réfléchisse. Et toi, tu vas faire quoi ? Eh bien, j'allais te suggérer d'aller faire un tour vers Cliff Hall si tu ne sais pas quoi faire. La capitale, voir des gens, la ville. Ça. Ah, plein de choses à voir. Rien que ça. Je n'ai malheureusement que très peu de pouvoir quand je suis dans une ville. Je n'aime pas ni les villes, ni les villages, ni ce genre de construction. Elle réfléchit. C'est plein de forêts par là-bas. Il n'y a pas que la ville. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? J'ai eu si peu de temps pour faire ta connaissance. Ce serait dommage de te perdre de vue. Oui, oui, oui. Chante, bel oiseau, chante. Je crois qu'il y a un lac près de la ville. Il y a grand lac. À côté, enfin... À côté, si l'on peut dire. Bien, bien, bien. Ben, n'ayant rien de mieux à faire, j'accepte. Tu vas m'emmener là-bas. Tu me déposeras près du lac et je verrai ce que je fais. En tout cas, c'est sûr que je quitte cette forêt, j'en peux plus. Je n'en peux plus. C'est pas la plus accueillante de la région, ça c'est sûr. Elle est surtout un peu petite quand on a eu 20 ans pour la visiter. Elle se tourne vers le Narn. Elle tape dans ses mains. Et le Narn commence à regarder autour de lui comme s'il ne savait pas où il était. Tu vois une espèce de lueur de panique dans ses yeux. Et d'un petit geste, elle le chasse de sa cabane. Genre, allez, file, file, file. Et le Narn, mort de peur, s'enfuit par la porte et part en courant dans la forêt. Eh ben, je ne vais rien emporter, je pense. Il n'y a pas besoin. Je vais prendre le miroir, si ça ne te dérange pas. N'importe quel miroir fera l'affaire, mon grand. Ah ! Il est juste joli, d'accord. Celui-là. Même une flaque d'eau marcherait, tant que tu peux te voir dedans. Et tu me déposes là-bas. Fonctionnerait aussi ? Oui, n'importe quelle flamme. L'essentiel, c'est ton sang, c'est pas tellement le miroir ou la flamme. Est-ce que tu aurais un bout de miroir ? Ce serait quand même dommage de le casser, celui-là. Ou pas. Il va rester ici, de toute façon. Ouais, bah écoute, je vais l'emmener en attendant. Fais comme tu veux, ça ne m'intéresse plus. Elle rétrécit sous tes yeux.
elle rétrécit pour devenir un rat. Ah. D'accord. Et elle va grimper le long de ta jambe et elle va aller se fourrer dans une capuche, une poche, un coin peinard. Ah, capuche, c'est bien. Voilà. Ah, ok. Le roi, il n'a pas d'animal emblème. Il a mieux. Il a un objet mystérieux. C'est quoi, et tu vas retrouver. Et tu vas retrouver tes amis. En effet. Ami. Donc, William sort de la forêt. Non, c'est Rob qui sort de la forêt. Oui, Rob sort de la forêt. Pardon. Vous reprenez votre route. Alors, je sais pas si tu leur racontes ou pas, c'est toi qui choisis. Si, je leur raconte sur le trajet, hein, ma foi, on a le temps. Et je leur raconte qu'on a une passagère clandestine qu'on va déposer en route. Mais si t'es au courant, elle est pas clandestine. Elle n'est pas officielle, donc elle est clandestine. Cette façon de jouer sur les mots en permanence. Vous allez arriver à Greist, quelques jours plus tard. L'écureuil lui jette pas de rosette, quand même. Hein. Non, mais vous ne la voyez pas sortir, en fait, de la capuche. Techniquement, à part le fait qu'il vous ait dit qu'elle était là, vous n'avez aucune trace de sa présence. Vous arrivez à Greist, alors pour ceux qui l'ont jamais vu, c'est effectivement aussi délabré qu'on vous l'avait promis. C'est vraiment un village misérable. Les maisons sont vraiment bricolées, rafistolées, on dirait des cabanes de... Des cabanes d'Altea alignées les unes avec les autres. Hey, vous n'allez pas vous y attarder pour la bonne et simple raison que la garnison qui est présente, c'est pas a l'air d'être a l'air d'être la nouvelle mouture. C'est-à-dire que c'est une garde hyper abusive, violente, qui a l'air composée de soudards et de hors-la-loi et qui mettent en coupe réglée l'intégralité du village. Vous allez donc y passer le moins de temps possible, juste le temps de racheter les provisions et vous casser très très vite. Vous repartirez par le sud pour atteindre la région des lacs. Et vous dirigez vers le Cronan. Jusqu'au moment où vous êtes en train de marcher autour de ces lacs. C'est une région assez agréable, la région des lacs en fait. Vous êtes en train de marcher quand tout d'un coup, Royce... Oui. Tu vois sur ta gauche, donc en direction du nord, alors que vous dirigez plein est, hein, au-dessus d'une petite falaise, on dirait un arbre foudroyé. C'est bizarre. Certainement. Tu es à bord du chariot. Je vais demander à William de me laisser son cheval quelques minutes. Ah, ok. Et du coup, je prends la direction de ce cheval. De cet arbre. Donc, vous voyez Royce qui s'éloigne. Tout seul, en direction du nord. Mais l'endroit, enfin l'arbre en question, il est visible de là où on est ? Ouais. Bah, avant qu'il soit trop loin, on va lui crier : t'es sûr que tu veux pas qu'on t'accompagne ? Non, c'est bon, j'y vais seul. Ne vous inquiétez pas. Bon, okay. Bah on va poireauter, alors. Bah, on va faire un thé en attendant. Tu arrives au pied d'une sorte de petite falaise qui fait à peu près 2 mètres de haut. L'arbre foudroyé est tombé un peu en travers. Et tu remarques bien évidemment en arrivant devant lui qu'en fait, il n'est pas vraiment foudroyé. Ses racines sont à nu. Comme si on l'avait arraché du sol. Le haut de l'arbre est cassé, comme si c'était une branche et qu'on l'avait cassé sur ses genoux, par exemple. Et que fais-tu ? Je me rapproche de l'arbre et j'essaye de voir un peu plus près des racines ce qui s'y trouve. Tu t'approches de l'arbre. Alors, il n'y a rien au niveau des racines. Tu es en bas de la falaise. Tu es en bas de la falaise et le tronc d'arbre est en travers de la falaise.
Tu escalades la falaise un peu comme tu peux, tes dents de l'arbre et puis de diverses pierres hein, qui jalonnent la paroi. Quand tu arrives au-dessus, alors effectivement, au-dessus, tu vois un peu plus loin le reste de l'arbre, puisqu'il a été fracassé en deux, le reste de l'arbre qui est sur la plaine, quoi, posé. Et il te semble apercevoir, coincé sous l'arbre, un corps, peut-être. Ah, voilà. Voilà. C'est ce que je cherchais. Eh oui. Je me rapproche de ce corps. Tu t'avances. Et au moment où tu t'avances vers le corps, tu entends un bruit de broussailles qui vient de ta droite. Il y a une sorte de petit bosquet. Et tu vois des yeux qui te regardent dans le bosquet. Et tu entends, et vous entendez tous, puisque vous n'êtes pas si loin que ça, un hurlement de loup. Tu continues à avancer ? Sur mes gardes, j'avance. Tu fais quelques pas en avant, tu vois une meute de loup qui sort du bois. Ah. Rob, t'es sûr qu'on l'a Je les vois aussi ou pas ? Bah, on les a entendus hurler de toute façon. Voilà, vous avez entendu les hurlements, mais vous ne voyez rien. On va quand même se rapprocher. Enfin, le seul truc, c'est que les hurlements venaient de la direction où est allé Royce, quoi, grosso modo. Bah oui. Les hurlements, parce que t'avais dit un hurlement, ouais. Donc je me dis un loup, allez. Ça va, mais si j'ai entendu des loups. Tu sais pertinemment que les loups se déplacent jamais tout seuls. Hmm. Ouais. Je vais quand même. Je vais demander à Altea de surveiller le chariot et je vais m'approcher. Je vais attacher le cheval de la carriole et les rejoindre quand même un petit peu en restant à distance prudente. D'accord. Nous allons donc passer sur le champ de bataille. La bagarre, la bagarre. Ouais. Yes. En espérant que tout marche. Bah la fenêtre s'ouvre. En espérant que tout marche. C'est vert. Voilà. Ah c'est bon, je vois l'arbre à quoi il ressemble. Ok, tu l'as ? Je l'ai. D'accord. Et je vais te placer. Oui. La personne qui est sous l'arbre donne pas de signe de vie. Elle est morte. Non, elle a l'air bien assommée. D'accord. Okay. En vrai, je vais te placer. Elle n'est pas morte. Ah bah ça, il faudra aller voir à côté pour avoir plus de détails. En tout cas, elle bouge pas. C'est pour ça que je me suis borné à dire assommée. Trois loups. Ok. Ok. Qui s'avancent en te regardant, t'as l'impression qu'ils étaient un peu venus boulotter, qu'ils ont un petit creux, et que t'es en train de t'approcher de ce qu'ils comptent manger. Bah oui. Donc on va essayer de les éloigner quand même. Écoute, est-ce que tu as une vague idée de comment tu vas faire ? Suggestion. Si en fait tu attends que eux approchent, nous on pourrait être là. Oui. De toute façon, je suis en garde hein, de base. Donc, lancez bouclier en main. Donc vous allez tous appuyer sur le bouton init, même si vous n'êtes pas là, parce que chacun de vous donne une valeur. Le dé qui est au-dessous des trucs de trois couleurs, ouais. Hein, on est d'accord. Le D12, ouais. Tout à fait. Ok. Mes loups sont en premier. Ils sont semi-agressifs. Ça veut dire qu'ils essayent de te faire peur, en fait. Tu comprends bien qu'ils essayent que tu te casses, parce qu'ils veulent manger. Mais ils savent pas encore s'ils ont réussi à te faire peur ou pas. Ils préféreraient éviter le combat. Ils préféreraient que tu leur laisses ce qu'il y a sous le truc. Mais tu sens bien que
Ils finiront peut-être par être un peu énervés, éventuellement. Ils sont quatre, du coup. Il y en a un en plus qui sort du bois, qui est plus gros que les autres, qui est un peu l'âge noir. Okay. T'as l'impression que c'est les chefs. Ouais, techniquement, si on bute le chef, il s'enfuit. Il paraît. À toi, tu peux faire ton déplacement et tes actions. Je bouge pas. J'adopte juste okay. Une posture défensive, mais agressive dans la façon de paraître. Je sais pas trop comment expliquer, mais je tape la lance sur le bouclier, si tu veux. Tu fais du bruit, par exemple. Exactement. Ok. On a un petit hurlement de troll. Ah ouais, ça pourrait marcher, ça. Nous passons au tour 2. C'est le moment où débarque du Diable Vauvert deux personnes que je viens de placer qui vont pouvoir se déplacer. Une fois que vous aurez fait l'initiative, vous agissez avant les loups, dans l'ordre qui vous plaît. Ok. Mais d'accord qu'ils sont en bas de la falaise là. Ils sont en haut de la falaise. Enfin, eux sont en bas, vous êtes en haut. Oui, ok. Ouais. Althea et Roy sont en et William sont en bas. Ouais. Toi, t'es en haut avec les loups. J'ai fait une espèce de petite ombre sous l'herbe, tu vois, pour faire genre. Ouais. Donc pour monter, faut passer par le rondin en fait. Par le rondin, vous n'avez aucun malus de déplacement. Si vous essayez de passer par ailleurs, ça va vous prendre le tour. C'est une action, c'est un jeu d'escalade. D'accord, ok. Ok, et on a 4 cases pour se déplacer, c'est bien ça ? 5, d'accord. Tiens, j'essaie un truc, parce que tout à l'heure j'ai eu l'impression que... Ouais, non, ça marche. Moi, je peux enlever et mettre le bouclier, ça fonctionne. Ok. Très bien. Althea, vu que tu es devant, veux-tu avancer en premier ? La question que je me posais, c'est si on traverse la case de quelqu'un d'autre, il gêne ou on s'en fout ? Non, vous en foutez. Entre alliés, d'accord, on peut traverser une même case, puisqu'en fait, la case représente plus d'espace que votre personnage. C'est 2,5 mètres, donc... Ouais, mais j'ai un gros ego. je crois que t'allais dire j'ai un gros cul, mais... un gros ego, certes. C'est moins gênant. Très bien. On le voit, le corps, ou pas ? Nous, de là où on est, au fait. Non, pas encore. En termes de réaction, pas encore, puisqu'il est en haut. Vous entendez juste Royce qui est en train de taper avec sa lance sur son bouclier. Blanc, 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 blanc. Et vous entendez les grognements de loups. Althea commence à grimper sur le tronc, gardant son équilibre. Suivi par William. Que fais-tu, moi, Royce ? Je reste au même endroit. Tu restes là ? Ok. Alors, hurlement de troll ou pas ? Ça dépend de votre envie de vous battre contre les loups. Je veux pas vous priver d'un combat contre des loups. Bah, moi, je combats s'il m'attaque. S'il m'attaque pas, je combats pas. On m'a dit qu'il fallait répondre au fer par le fer. Ah. Mais ils ont des crocs. Voyant que tu ne bouges pas, les loups doivent se dire que c'est bon, ils te tiennent en respect. Et ils commencent à s'avancer vers le corps. Ok. En mode, bon, on va pouvoir becter. C'est cool. Tour 3 et 8. Ouais. Je t'en supplie, William. Qu'est-ce
Vous agissez avant les loups. Bah du coup je prends mon javelot. Ouais. Et j'en décoche un sur en essayant de viser le loup noir. D'accord. Le boss. Exact. Sélectionne tes armes et fais-moi rêver. Est-ce que je suis un endroit particulier ? Non. Je te laisse analyser la situation. On n'a pas combattu. Ouais. Je sais plus. Justement. Je te laisse analyser la situation. Alors, je te la décris. Tu as fait 7 sur ton dé. Ok ? Ouais. Pour toucher. Ouais. Ta valeur, c'est 11. Donc il faut faire en dessous de 11 pour toucher. Donc là, c'est bon. En dessous de 11, tu touches une défense de 0. À 11, pardon, c'est une défense de 0. Oui, 0. Le loup a combien en défense ? Je sais. 2. Si tu mets ta souris, tu le verras. Voilà. Donc, ça veut dire que tu le touches à 9. Ouais, donc je le touche. Après, t'as fait 7. Ça veut donc dire que la valeur de dégâts qui est en dessous, elle s'applique. Yes, donc j'enlève 2 points de vie. Ton javelot arrive dans le loup qui... alors, il est un peu surpris parce qu'il était vraiment persuadé que t'avais eu les boules et que t'allais les laisser manger, quoi. Mmh. Il pousse un glapissement et les trois loups qui l'escortent se tournent vers toi. On a l'impression que, bon, ok, faut en découdre pour pouvoir manger, donc on va en découdre, quoi. Pendant ce temps, ceux qui sont sur le tronc, on va se que font-ils là, et on va faire apparaître un golem de feu qui ira courir sur les loups. Normalement, le feu, ça devrait les calmer un peu. On brûle pas l'arbre, il y a quelqu'un en dessous. Je ne compte pas brûler. Hé, t'as bougé d'une case que je voulais pas, petit bonhomme. Pourquoi t'es pas là ? C'est dans l'idée, parce que pour moi, ton token est apparu à 0-0. Donc je t'ai ramené là. D'accord. Non, je suis juste en diagonale vers le bas par rapport à Royce. Place-toi. Ok. Normalement, là, c'est bon. Et ton action va être faire apparaître le golem, pour le coup, juste au-dessus de moi, si c'est possible. Ok. Golem de quoi ? Parce que je pense que je peux pas le feu. T'as du feu autour de toi ? On a du feu sous la main ? Non, il en faut ! Ben il en oui. faut beaucoup ? Il faut de quoi faire un golem, donc un bon brasier, pas un feu de camp, quoi. Ben, tant pis, alors il sera en terre. Il sera en terre ? Mm-hmm. Parce que le temps de faire un feu de camp, je vous dis pas. Ah ben ça suffira pas un feu de camp, donc ouais. Niveau 4, c'est bien ça ? Wow. Niveau 3. Bon, à niveau 3, ça va être bien déjà. J'espère. Bon, c'est pas tant que t'as le choix, c'est que je te demandais juste quel était le niveau du sort parce que je l'ai plus en mémoire. 1, 3, il y a marqué sur la carte. Ok. Bien. Tu poses ta main au sol. Tu te concentres. Tu sens l'énergie qui afflue en toi, tu commences à faire sortir du sol d'abord un poing, puis un bras, puis une tête un peu simiesque, un torse, des jambes, et tu te retrouves avec une créature qui est un peu une taille de nain, hein. Elle t'arrive pas à la tête, un peu trapue, fait de rochers, de cailloux mélangés, de bouts de terre, qui se dresse devant toi et qui va obéir à ton commandement. D'accord, tu pourras, et William, il ira courir 3 sur 1. Exactement. William, tu as une action après ton mouvement ? Je me suis déplacé, je suis à côté du golem. Ok. Et c'est tout ? Bah, j'ai sorti mes armes, épée et dague. D'accord, ça marche. Nous pouvons faire les loups. Voyons voir. Devant cette joyeuse assemblée. Devant cette joyeuse assemblée, je vérifie en termes de mouvement.
Je suis pas tout seul, vous avez vu. C'est exactement ça. Oui. Les loups vous foncent dessus. Il y a que c'est le dernier. C'est pour ça que je m'étais caché derrière tout le monde. Qui va se trouver ici. Il vous fonce dessus en hurlant. Les trois qui arrivent au contact, quand ils arrivent sur vous, en fait, ils font un bond. C'est-à-dire qu'ils se lovent vraiment sur leurs pattes arrière et vous sautent dessus, gueule en avant, pour essayer de vous choper. Je vais avoir recours à des vrais dés de la vraie vie. Parce qu'il faut que j'en lance plusieurs et que ce système est un peu fait pour les mono-attaques, on va dire. Nous avons le loup sur Royce qui n'arrive pas à le toucher. L'alpha, il essaye de mordre le golem, mais vous sentez bien qu'il est un peu perturbé par l'espèce de truc qu'il a devant lui. Il lui atterrit dessus, ce qui fait voler quelques bouts de cailloux, quelques bouts de terre, mais le golem encaisse le choc sans aucun souci. Celui qui a bondi sur le tronc et qui ensuite a bondi sur William, arrive à le mordre. Lui causant... Alors, je vais quand même faire un jet d'attaque à la con. Je veux juste avoir une localisation. Pour voir où il arrive à mordre. Au torse. Donc ça va, c'est pas délirant. Tu te prends donc une morsure au niveau de l'épaule. Ce qui me semble bien plus cohérent qu'une morsure au torse. Si je connais pas mon propre système. Tu te prends 6 points de dégâts. Le truc qui est un peu embêtant, c'est que il te mord à l'épaule et en fait tu sens sa mâchoire qui se bloque. Tu as l'impression qu'il ne va pas lâcher sa morsure. D'accord. Nouvelle initiative pour le tour 4. Oui. Alors, moi, je j'aimerais intervenir, vu que j'ai un loup sur moi, on est bien d'accord, et que j'ai une épée et une dague dans les mains. Oui. Si j'essaie de l'embrocher, puisqu'il s'accroche à moi. Alors, voilà ce qui se passe. On va être un peu technique. Attends, j'enlève ça juste. Voilà ce qui se passe. Le loup t'a mordu, il a fait maximum dégâts. Quand un loup fait maximum dégâts sur sa morsure, il a la capacité de rester accroché, en fait. Et voilà les conséquences. D'accord. Ça veut dire que maintenant... sa défense est à 0 au lieu d'être à 2 parce qu'il est immobile. D'accord. En fait, en gros. Par contre, ça veut dire que maintenant, à chaque tour, il va t'infliger des dégâts de morsure automatiques. Il va continuer à triturer gentiment dans ton épaule. Ça veut dire 1d6 points de dégâts. Et il va essayer de te lacérer avec ses pattes avec un bonus de 2 au toucher. Parce que t'es un peu devant lui, il est un peu accroché à toi. Donc, avantage, inconvénient. Tout le monde a bien analysé les résultats? Tout le monde a compris? Oui. Ouais, c'est bien. Tu lui infliges donc 10 points de dégâts. Alors, il s'agit du loup numéro 1. Ok. Tu le transperces avec ton épée. Pousse un glapissement de douleur. Un peu étouffé par le fait qu'il te mord. Puis, tu le perces avec la dague. Pauvre petite bête. T'es hyper violent avec ce loup, je trouve. J'ai pas fini. Ensuite, qui veut agir? Moi, je veux bien. Moi, je prends ma lance et j'essaie d'embroucher le loup face à moi. Ok, tu as moins 2 au toucher ce tour-ci parce que tu changes d'arme. Dans tous les cas, ça ne touchera pas. Un 16, non. Tu essayes de le repousser ou de l'effrayer avec un coup de lance, mais ta malmotte légendaire au dé, ça commence. Hein.
C'est dommage parce que t'avais des bons gros dégâts. T'avais des bons gros dégâts pourtant. Ça aurait été magique. Mais ça lui passe à côté. Dommage, t'étais fier de ton coup. Il était bien puissant. Malheureusement, il passait complètement à côté du loup. Et Mister Golem, peut-être ? Oui ! Mister Golem. Alors, Mister Golem, ses chances de toucher sont de 10. Ce qui veut dire qu'il faudrait que tu fasses avec ton sympathique petit dé en dessous de 8 ou 8. Appuyer sur le dé et voir ce qui se passe. Donc. Et ouais, c'est ça l'idée. On va s'intéresser qu'au résultat du dé, en fait. Je pense qu'il faut que tu sélectionnes une arme quand même, sinon ça marche beaucoup moins bien. Bah les petits points alors. Par exemple. C'est ce qui me semble le plus. Wouh ! J'étais en forme ton golem. Il lève son poing en essayant de frapper l'alpha et rabat son poing tellement grossièrement, tellement brutalement que le loup n'a qu'à bondir à côté. Sans plus d'effet. C'est pas vrai, ça pourrait le faire mourir de rire. Alors, mes loups ont bondi le tour d'avant, donc ils n'ont plus leur bonus pour toucher. Moi, je vais juste me mettre hors de leur portée du loup. Bah écoute, fais comme chez toi. C'est fait. Et prendre son petit bâton, mais bon, hein, on sait qu'elle est nulle. Hein. Il me reste qu'un seul loup qui est libre de ses mouvements et qui va, dans un premier temps, qui va bondir sur Royce ici. Donc il n'y en a qu'un qui a un bonus pour toucher, c'est le loup numéro 3. Alors, le loup numéro 1, il est toujours accroché à William. Ce qui veut dire que de toute façon, il y a les dégâts de morsure, qui eux sont automatiques. Et on va voir si, avec ses patounettes, non, il n'arrive pas à passer ta défense. Donc tu entends les griffes du loup qui raclent sur ta maille. Il essaye de déchirer ce qu'il peut, mais il n'y arrive pas. L'alpha, en fait, il est tellement décontenancé par le golem devant lui, qui en plus n'a pas l'air dangereux parce qu'il a fait juste n'importe quoi. Qu'en fait, il va se désintéresser du golem pour attaquer William, qui a l'air bien mal en point. C'est une attaque morsure. Juste pour vérifier où est-ce qu'il frappe. Il tente de te choper le bras. Tu sens les crocs qui glissent le long du bras en maille que tu as sur ton bras et qui passe à côté, tu arrives à retirer ton bras. Attends, mais pas de beaucoup. Le loup qui a bondi sur Royce rate son bond malgré le bonus au toucher, avec un sympathique 16. Et le loup devant Royce, grâce à un superbe 18, claque des dents dans l'air au moment où Royce retire sa jambe. Il a failli s'empaler sur ta lance. Nous sommes au tour 5. C'est le troisième tour. Ah non ! C'est le troisième tour. Combien de temps dure ton golem, Altéa ? Un tour par niveau, mais je sais pas si c'est le niveau du sort ou le mien qui est pris en compte. C'est le tien, donc il dure 4 tours. Hein. Donc encore un tour après celui-là. Tu es niveau 4. Oui. Donc encore un tour gratos, et après il faudra soit repayer, soit il disparaît. Ce sont mes loups en premier. Manœuvre extrêmement sadique. Le loup qui est là vient ici. Il fait le tour de Royce. Oh les salauds. Altea n'est pas un danger, donc personne ne va venir la chercher. Ils n'ont pas conscience que le golem et toi, ça fait un. Je vais donc. La tactique de la prison tenaille sur Royce. C'est exactement ça. Le loup qui est agrippé à William va continuer. Coup de patte, 17, ça rate. L'alpha va essayer. Ah, l'alpha va toucher, dis donc. Le salaud. Oh non, le golem. Ah non, c'est vrai, il tapait William. Non, c'est William.
C'est vrai. Il va toucher, visiblement au niveau du bras. Décidément, je suis très fixé sur le bras. Avec... Ouh, chia, ça fait mal, ça. Il te fait dégâts maximum sur le bras. Et dégâts maximum sur le bras, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas faire un petit test sous ta constitution pour ne pas lâcher l'arme que tu tiens en main. Donc tu lances un D20. Il faut faire moins que ta constite. Ouais. Mais je peux cliquer directement sur constite ou... Non. Ça c'est pour faire des tests comparés. Il faut lancer un D20. Ah. D'accord, ok. Si tu cliques sur constite, ça va lancer un D10, ajouter le bonus de constite au-dessus de 10 et obtenir d'accord. un chiffre. Ce qui est pas le... Et comme tu veux faire au-dessous de ta constite, tu peux pas voilà. faire ça. Enfin, okay. un petit chiffre. C'est bon, tu ne lâches pas l'arme que tu avais en main droite. Ça tombe bien. Hein. Ça va aller là. Alors, oui et non. Oui et non, parce que il a fait dégâts maximum. Or, quand un loup fait dégâts maximum... Non, mais c'était une espèce de voilà. c'était une espèce de cri lancé au loup. Hein. Ce qui veut dire que tu as actuellement un loup qui est accroché à ton épaule et un loup qui est accroché à ton bras. Cool. Pendant ce temps sur Royce, le loup devant toi fait un ratage total avec un 20. Le loup derrière toi, il a un bonus de 2 et il te touche. Et il arrive à te mordre au niveau des fesses, on va dire, vu qu'il est de dos. Il te mord au niveau des côtes. Et t'as l'impression qu'il reste accroché. Je viens de refaire un 6. T'as l'impression qu'il reste accroché à tes côtes. C'est-à-dire que t'as un loup qui est en train de te mordre derrière, au niveau des poignées d'amour, quoi. Et sa mâchoire vient de se resserrer sur toi. C'est à vous d'agir. Ok. Frapper en diagonale, hein. C'est ça? Ouais. Je vais tâcher de frapper le loup qui est déjà entamé. Ok. Pour l'instant, l'alpha est donc à 0 en défense puisqu'il est accroché. Et le loup numéro 1 est aussi à 0 en défense. Et le loup 3 est à 0 en défense puisqu'il est accroché. Il n'y a que le loup numéro 2 qui a pour l'instant touché, mais qui a encore 2 en défense. Donc tu frappes le loup 1. Mais c'est un critique, monsieur. Ouais, c'est ouais. un critique et les deux attaques touchent. De toute façon, la première suffit largement. Le loup numéro 1 lâche ton épaule. Tu lui plantes l'épée et la dague à travers le bide. Il pousse un dernier râle. Tu sens l'étreinte, la douleur qui s'arrête enfin. Et le loup s'effondre à tes pieds, raide mort. Ensuite, qui veut agir? Moi, je veux bien. Ok. Est-ce qu'on peut utiliser plusieurs compétences par tour? 3 maximum. Donc je peux faire coup précis, attaque surprise. Ouais. Ok. Donc je vais faire précis. Qui me donne plus de toucher. Et je vais essayer de taper avec ma lance le loup devant moi. Ouais. Et si ça touche, t'as pas derrière. Ça touche. Donc 17 points de dégâts sur le loup devant toi. Oui. Nous sommes d'accord. Tu le déboîtes d'un coup de lance. Et du coup, tu peux faire une attaque au loup derrière toi. Ouais. Avec attaque surprise. Et tu les balances. Voilà. Tu passes au bâton et tu lances une attaque. Ouais. Je retouche. Putain, j'ai encore fait un. T'as refait un critique. Et 11 loups derrière toi.
Pas content. Eh ben, quelle violence. Ah là là, mais faut pas l'énerver longtemps, Royce. Aujourd'hui, c'est 20 ou 1. C'est ça. C'est cela. Joli coup, Callaghan. Althea, tu choisis une cible avec ton golem? Bah, je crois qu'il reste à peu près que le loup alpha, non? Il peut taper le loup alpha ou le loup qui est en biais. Le golem peut taper sur les trois qui restent, en fait. Je vais faire disparaître celui... Voilà. Je vais faire disparaître celui qui est mort, pour pas que ça vous trouble. L'alpha, l'avantage, c'est qu'il a zéro en défense. Et que c'est clairement le plus dangereux. Celui qui est derrière, le numéro 3, il a aussi zéro en défense. Et le numéro 2, il est plus mort que vif. Bon, bah finissons le plus mort que vif. On va essayer du moins, parce qu'on a dit 20. Ah non, mais l'alpha, s'il te plaît, ça m'arrangerait. Le problème de l'alpha, c'est qu'il est accroché à William et qu'il est en train de le boulotter le bras. Ouais, ça m'arrangerait quand même un petit peu. Si tu veux, l'alpha. Merci beaucoup. Alors lui, on renadit, on regardait juste le résultat du dé. On regarde juste le résultat du dé. Oh, il a fait 7. Qui touche, tu vas me permettre de lancer les dégâts. Ce sera plus simple. Oui, je t'en prie. Tu vas chercher des dés. 13 points de dégâts. Épée. Il colle un rentron dans l'alpha. Qui pousse un glapissement, qui lâche William, qui roule au sol sous l'impact, et qui pousse un long hurlement, dont vous ne comprenez pas pour l'instant la signification. Aïe, j'ai mal, on se barre les mecs. Et nous sommes au tour où soit tu prolonges ton golem, soit il disparaît. Et vous faites limite. Oui, on va rester à repayer comme on ne sait pas s'ils vont vraiment se barrer. Ou parie-tu sur le départ des loups? Ou s'il appelle des secours? On va parier sur le départ des loups. Ouais, okay. Je pense que c'est une saine décision parce qu'il y en a quand même deux qui sont plus morts que vifs et un troisième blessé. Et puis on part des loups et voilà. je vais même me permettre le... Hop, déplacement coup de bâton. je vais le rater, mais c'est pas grave. Ceci étant, avant ton déplacement, faites votre init. Mais c'était l'action de ce tour-ci, elle avait rien fait, Althea. Ah, d'accord, ok. Ok, ça marche. Oui, oui. Ah, mais faites quand même votre init. J'ai cliqué init. Ah. Ok, vous agissez en même temps, c'est rigolo. Le loup qui mordait Royce à l'aine, qui s'est pris un coup de bâton, lâche l'aine et répond au hurlement de l'alpha et vous les voyez commencer à tourner les talons. Les frappez-vous ou ne les frappez-vous pas? Je les frappe. Mais ils ont pas de carrément. Talons, va savoir. Au bout des choses. Si on voit le... Faut enlever le golem déjà d'une part et si on voit le corps, je vais peut-être aller voir comment va le dit corps. Alors là, je t'avoue que présentement, on est encore un peu en combat, donc te faufiler d'accord. Entre les loups pour aller voir le corps, ça serait... Je sais pas, ils s'en vont. C'est un peu compliqué. Bah, pour l'instant, vous avez choisi de frapper dessus, et on a tous la même init. Ce qui veut dire que je changerai peut-être d'avis. Tout simplement. En attendant, faites vos attaques, ils feront les leurs. Vas-y, William. Ça passe et ça passe. Sur la tronche du chef. Tu frappes sur l'alpha, je suppose. Tu lui fais 14 points de dégâts. Ce qui n'est pas dégueulasse. Royce. 14 ou 13 ? 9, 10, 11, 12. Ah oui, pardon, 13, excuse-moi. Non, mais je... comme tu veux. Hein. Merci pour ton honnêteté. Tu frappes sur lequel, Royce? Au fait. Le très blessé ou le moins blessé? Le très blessé. Ok, celui qui est devant toi. Donc. C'est
points de dégâts. Tu transperces monsieur numéro 2 d'un sympathique coup de lance. J'enregistre tes dégâts. Comme nous agissons en même temps, même ceux qui sont morts vont vous attaquer, hein, puisqu'ils ont essayé de vous mordre pendant que vous les tapiez. L'alpha sur William va malheureusement le rater avec un 16 qui est sympathique mais qui ne fonctionne pas. Malheureusement. Le loup devant Royce va arriver avant que tu ne le tues. Parce que tu vas le tuer, figure-toi. Mm-hmm. Avant que tu ne le tues, il va arriver à te mordre. Et le loup qui est derrière toi va te rater. Nous arrivons donc, dans ce cas de figure, ici, à la fin du tour. Et le mouvement de mes loups va donc être celui-ci. Il s'enfuit en gémissant et en saignant. Est-ce que je considère qu'il y a un tour 7 ou pas ? Ouais. Eh bien, dans ce cas, les enfants, initiative, pour ceux que ça intéresse. Non, faites-moi l'init. De toute façon, même si ça ne nous intéresse pas, faut la faire, puisque c'est des init collectives. Ouais. Cela dit, il n'y a pas de PNJ, donc moi je m'en fous. Ah merde. Oui, merde, oui, je sais. Ensuite. Malheureusement pour vous, mais William vous allez découvrir... Vous allez découvrir mais non, le temps que le sorte, c'est mort. Les loups sont incroyablement rapides. Ouais, on voit ça. Pas incroyable. Ah, je crois que je peux toucher. Ah non, attends. J'ai 10 en force. Tu as 10 casques devant toi. Et techniquement, le loup le plus bas, il est à combien de distance, le moins ? 11. Ah, super. Mais si tu te déplaces... Mais tu peux te déplacer jusque 5 cases. Ouais, je peux pas me déplacer, du coup, mais... Je me déplace. Oh, je vais essayer de me rapprocher de lui et de le toucher au javelot. Eh ben écoute, vas-y. Change d'arme et fais un tir au javelot. Yeah. Alors qu'il s'enfuit. Oh, ça touche. Le javelot se plante dans le loup qui pousse un hurlement. Ça l'atteint au niveau de la cuisse. Et il disparaît dans les buissons de la forêt. Mais reviens pas, hein. J'ai essayé d'avoir le chef avec mon arc. Et je ne pense pas qu'il reviendra. Vas-y. J'aurai un malus au toucher, mais c'est pas grave. Voilà. Quand j'ai allumé l'arc, la dague reste allumée, je l'éteins. Tu peux l'enlever, oui. Ça va faire un tir à la dague, mais on s'en fout. Il vaut mieux, effectivement, okay, que tu ne sois équipé que des armes que tu as vraiment. Ah bah je crois que ça passe. Ta flèche siffle dans les airs. Et touche l'alpha qui s'écroule au sol. Bien fait pour sa gueule. Mort. Mort de la mort qui tue. Et donc il y a un seul loup qui en échappe et qui effectivement ne demande pas son reste, il a 4 points de vie. Tu raconteras ça aux autres. Alors, comment va ce corps ? Nous pouvons fermer le champ de bataille. Il y a effectivement un individu qui est sous l'arbre. Vous avez l'impression qu'il s'est pris l'arbre de plein fouet. Et c'est très curieux parce que vous avez l'impression que l'arbre, il est tombé du ciel. Non, c'est pas une R5 ? Et c'est curieux, mais on dirait, c'est tout comme si. Et vous vous rappelez tout d'un coup que vous êtes à côté d'un endroit qui s'appelle la forêt des géants, dans lequel on vous a déconseillé de passer, parce qu'il y avait des géants. C'est fou, capable, hein, de lancer des arbres. Capable de lancer des arbres, donc. C'est pour ça que c'était que les bûcherons écossais qui faisaient ça. Là, les géants aussi. L'individu est très mal en point. Il a dû se prendre une partie de l'arbre de plein fouet.
C'est un homme qui a à peu près une quarantaine d'années, qui a tout l'attirail de quelqu'un qui bourlingue pas mal en fait. Il a une particularité très intéressante, c'est que sortant de son col, il y a un collier qui pendouille dehors en fait. Et ce collier circulaire est gravé d'une épée enflammée, qui est le symbole de Balakor. Un rapport avec le bouquin de Royce ? Exactement. C'est le même symbole qu'il y a sur le bouquin que Royce lit compulsivement de temps en temps. Eh ben, et il est dans les vapes. Bah, vous soulevez l'arbre et je tire le gars. C'est possible. Vous trouvez une branche pour faire levier, parce que l'arbre est assez lourd, pour arriver à dégager suffisamment d'espace pour que vous tiriez ce type en dehors. Il a une jambe fracturée. Il a une commotion à la tête. Est-ce que l'un d'entre vous se sent de faire un petit jet de... je sais pas... premier soin, peut-être ? Bah, sûrement la personne la plus douée pour ça, oui. Ou la personne la plus douée gardera peut-être ses capacités pour les blessés du groupe. Et... est-ce qu'il y a possibilité de savoir combien de points de vie il a perdu ou pas ? Non. Enfin, vous le saurez quand je vous dirai la diff, quoi. Donc, en fait, qu'est-ce que tu préfères faire ? On peut faire les premiers soins après avoir donné une potion à quelqu'un ? C'est même en général plutôt conseillé, vu que ça réduit la difficulté. Vu qu'il me reste un sang de troll, je vais lui donner ça. C'est la potion à combien de points de vie, celle-là ? C'est la grosse, je ne sais plus. T'as pas noté ? Arg ! Non, parce que c'est censé être facile d'accès et j'ai perdu le facile d'accès. Gargle ! Alors... c'est censé être... je vais te dire ça... dans pas longtemps... Non, pas longtemps, 102 trolls. C'est 8 points de vie. Je peux pas faire mieux pour l'instant, hein, donc clac d'un coup d'un seul. Donc, tu lui fais boire la potion. Et alors, c'est là que je vous dis, les enfants, comme vous pouvez faire des jets groupés, ça veut dire que l'un d'entre vous peut faire premier soin avec comme bonus le nombre de gens qui ont premier soin et qui l'aident. Vous voyez l'idée ? Ça me fait une base de 7 en premier soin. Je sais pas si t'as plus. Ah non, c'est toi qui as le plus, mais je te fais un plus, hein, pour le coup. Voilà, ça veut dire que tu vas faire un jet de premier soin et on rajoutera 1 au résultat. Et vous êtes à 2 en train de vous occuper. Royce, t'as pas premier soin ? Non. Non. Mais tu as une gourde. C'est vrai. Oui, tu as une gourde. Voilà, donc avec un plus 1, ça fait 14. Voilà, tu arrives donc à 14. Vous prenez soin de lui autant que possible. Vous occupez de la jambe qui était de toute façon dans un sale état, donc il fallait au moins le stabiliser. Il est en vie. Vous n'avez pas l'impression qu'il va mourir demain. Par contre, si vous le laissez là, c'est sûr qu'il va se faire boulotter. Il n'a pas repris conscience, c'est ça qui est embêtant en fait. Ça tombe bien, on a un chariot. Hein ? Me direz-vous. Me direz-vous. Mais c'est marrant hein, que Royce ait insisté pour que vous preniez un chariot. C'est bizarre parce qu'il voit un arbre. Aussi étonnant qu'il veuille s'arrêter ici, ouais. Il y a un type sous l'arbre qui est visiblement de la bonne confession, incroyable. Et en plus, il fallait un chariot pour emmener des corps. On va en trouver combien sur la route, au fait ? Parce que qu'on sache comment on manage la place, quoi. Un seul, normalement. Je ne veux pas vous dicter vos actions, mais je suppose que vous le ramenez au chariot et que vous le chargez dedans. Oui. Ouais. Oui, en faisant bien attention de ne pas le recasser. Et vous allez le trimballer avec vous pendant plusieurs jours. Bah, je vais le surveiller autant que possible. Ce qui va d'ailleurs vous permettre éventuellement de lui faire un premier soin tous les jours, c'est l'avantage. Et à mes compagnons aussi, on va faire ça.
Ouais, un peu de toute soin façon, serait fort bienvenu aussi. Alors, vous voulez vous occuper de vous, je vous rassure, il n'y a pas d'autres combats prévus, à moins que vous ayez provoqué des rixes dans les tavernes, ce que je pense que vous ne ferez pas, ce qui veut dire que vous serez rendu en pleine capacité quand vous arriverez à la capitale. Ouais, dire que je laisse pas mes compagnons... Voilà. Nous sommes d'accord. Mais on fait pas les jets pour aller plus vite, mais on les soigne quand même. Vous allez arriver à l'Ochronan, où cet homme reprendra conscience, un peu avant que vous arriviez dans la ville même. Vous aurez une petite explication avec lui. Il vous remerciera, bien évidemment. Deux, il vous demandera si vous n'avez pas vu ses compagnons, parce qu'il n'était pas seul. On les a pas vus, mais on savait pas qu'il fallait en chercher, donc... Moi non plus. il prendra l'air un peu triste, parce que vous vous doutez bien que s'ils n'étaient pas à côté de lui, bah c'est pas bon signe, quoi, en gros. Bah ça dépend s'il a été jeté avec ou sans l'arbre. Il vous expliquera que l'arbre a un peu servi de batte de baseball, c'est pas le terme qu'il utilisera, mais voilà, il a été servi de club de golf par exemple, pour le projeter au loin par un géant, effectivement. Il était venu avec des amis à lui. Les géants s'aventurent de plus en plus en dehors des montagnes et il y a des primes qui sont offertes pour les gens qui les abattent. Et ils pensaient être prêts, ils étaient vraiment équipés, ils avaient bien étudié la question et ils sont tombés sur un géant et ils se sont fait juste laminer. Mais il sera... franchement, il remerciera son dieu de vous avoir mis sur sa route. Ben, c'est vraiment le cas, a priori. Oui, non, mais tu vois bien que c'est pas des paroles en l'air. Hein. il remercie son dieu de vous avoir mis sur sa route, pour de vrai, quoi. Pour de vrai. Et donc, tu communiques avec ce dieu, toi ? John. C'est plutôt lui qui communique avec moi. Vous en êtes là tous les deux. C'est compliqué. Tu peux pas comprendre. Non, je suis mais c'est bon à savoir. Je suis certaine que je peux comprendre si tu expliques. Par contre, tu sais, la prochaine fois qu'il t'envoie en mission, tu peux nous le dire. Hein. Oui, mais je savais pas qu'on serait face à des loups. Ça, je l'avais pas vu. Je l'avais pas vu. on m'avait pas dit. Ça, on m'avait pas dit, non. T'as des visions. Je fais des rêves, disons plutôt. Ok. Donc, je me balade avec un être à moitié féerique et un type qui a des visions. Ça marche. Mais à part ça, tout va bien. Hein. Oui. Globalement. Je me sens tristement normal dans ce groupe. Ah, tu fais des golems, de quoi tu te plains ? J'ai appris ! Ça me tombe pas du ciel ! Bah lui aussi, il a appris. Moi. Hein ? Quand il était dans sa ferme, il avait pas de vision. On sait pas. C'est peut-être juste qu'il ne se passait rien et il n'y avait pas besoin de lui en envoyer. Voilà, c'est smooth. Okay. Il n'y a plus de caméra. On va dire qu'on a du bol, ouais. Vous ferez un bref passage à l'Ochronan, qui est une grande ville. Hein. Ça vous surprend un peu, mais c'est deux fois Balyoun. Techniquement, vous aimeriez bien y rester, sauf que vous êtes un peu pressé quand même de faire pourquoi vous êtes venu, mais... C'est une assez grande ville, c'est super vivant, c'est très commercial, c'est très cosmopolite. Est-ce qu'on ne vendrait pas les peaux de loup que vous n'avez pas manqué de faire ? Bah, j'ai pas entendu en dire, plus... hein, donc... Mais non, mais en plus j'y ai pensé, j'ai oublié. Ah, c'est dommage ça. Quitte. Vous aurez juste en le temps de... notre métier une fois arrivé, hein, de toute façon, tu sais. Vous aurez le temps de refaire vos provisions, et petit détail pittoresque que je voulais vous préciser. Vous tomberez sur quelque chose d'un peu étonnant quand vous allez arriver à l'entrée de la ville. Vous n'en avez jamais vu. Vous tombez sur un marché aux esclaves. Quoi ? On fait ça ici ? Voilà, c'est sur ce point-là que je voulais particulièrement revenir.
Je croyais qu'on était en pays civilisé. Esclaves. Oui, oui, j'y viens. Et on y vend quoi? On y vend des narnes. Dobby. Les gens peuvent acheter des narnes pour servir d'esclaves. Mais c'est pas bien quand même. Ils ont des énormes colliers en fer autour du cou. Ils ont l'air complètement amorphes. Vous savez pas s'ils sont shootés ou quoi, mais ils font franchement peine à voir. Ils se tiennent immobiles en rang. Ils coûtent pas cher en plus, franchement. Pour 20 pièces d'argent, t'as un arne. Voilà. Ils ont pas l'air ni rebelles, ni sauvages, ni... Vous avez l'impression qu'ils ont été sûrement torturés ou domestiqués, vous savez pas trop. Ou dressés, peut-être. Tu vois, tu voulais quelque chose à dresser. Un peu d'étroit. Voilà. C'est... Ça va vous faire une drôle de sensation de les voir comme ça. Et vous allez pouvoir voir certaines personnes qui font porter leur course par un arne, par exemple. Heureusement qu'on peut... qu'on vit pas dans cette ville, parce que je serais obligé de faire le front de libération des narnes, moi. Et vous allez vous diriger plein sud. En quittant l'Ocronan, vous allez passer à côté du lac des Parjures. Alors, à côté est un grand mot, hein, mais non loin en tout cas. Et c'est le moment où votre passager clandestin va vous quitter. D'accord. Puisqu'un rat va sauter hors de ta capuche et va s'éloigner en direction de la petite forêt qui est à côté du lac des Parjures. Squeeze. C'est le ratatouille. Exactement. Vous allez traverser les plaines de Sauveterre. C'est un espèce de champ gigantesque. Où les gens sont en train de... Bah, vu que l'équivalent du printemps est là, donc les gens sont en train de s'occuper de tout un tas de parcelles cultivées. Il y a plein de gens partout. C'est hyper... ultra civilisé, on va dire. Il y a plein de chemins. Il y a beaucoup d'allées et venues sur la route que vous prenez. La route qui mène de l'Ocronan à Clifol est super empruntée, en fait. Ce qui fait que vous voyagez, vous chevauchez à côté de plein de gens qui voyagent et qui chevauchent. Soit qui vont vers le nord, soit qui vont vers le sud. Donc vous croisez des gens. On dirait une espèce d'immense caravane. Pour vous diriger en direction de Clifol, la capitale, votre point de chute. Lorsque vous arrivez au niveau des dernières collines qui déterminent un petit peu la fin des plaines de Sauveterre, vous voyez la capitale au loin. Vous voyez donc de gigantesques murailles. Mais vous avez du mal à mesurer combien elles peuvent faire, mais c'est quand même assez impressionnant. C'est du vrai château fort. Il y a une porte par laquelle on passe, mais c'est pas vraiment une porte dans le sens où les murailles passent pas par-dessus, en fait. Il y a vraiment un trou dans les murailles. Il y a une ouverture. Il n'y a pas d'arceau qui passe par-dessus. Il n'y a pas d'arche, en fait. L'ouverture pour passer fait vraiment plusieurs mètres. Et il y a une foule de gens qui s'engouffrent, tel un entonnoir, en fait, pour rentrer dans la cité. En haut des murailles, il y a des chemins de ronde. Vous pouvez voir des gardes qui sont en train de patrouiller, qui sont en train de regarder d'un œil légèrement habitué, hein, la foule de gens qui rentrent et qui sortent de la ville. Ce qui vous marque le plus quand vous arrivez, c'est le bruit. Il émane de la ville, une espèce de brouhaha incessant, on dirait la mer, en fait. On dirait vous qui avez été habitué à voir la mer au pied de votre village, vous avez l'impression de ce même murmure de va-et-vient, sauf qu'en fait, c'est le bruit que font les gens qui vivent dans la ville. Autour de la cité, c'est montagneux, c'est très montagneux. La ville est vraiment encaissée dans une espèce de vallée qui se termine un petit peu en cul-de-sac, vous avez l'impression. Est-ce que vous entrez dans la ville comme ça, en profitant du flux de gens, ou est-ce que vous avez un truc particulier à faire ou à prévoir? Bon, j'aurais dit qu'on aurait entré comme si on était entré normalement, quoi. Enfin... C'est là qu'on Je vais les laisser entrer un peu devant, quoi. Je vais être en arrière, disons, de quelques mètres pour pas faire on arrive okay. ensemble. C'est donc le moment où je vais prier très très fort pour que ça marche. Parce que vous avez le droit de cliquer sur la petite tour.